Bonjour à tous, je suis Philippe Cabrelli, j'ai 33 ans et je suis trisomique. J'aurais bien aimé être comme vous tous, mais moi, la nature m'a donné un chromosome de plus. J'ai une vie presque normale, une maman a un papa formidable qui m'aime plus que tout et moi aussi je les aime. Chaque matin, à 7h42 précise, je prends seul le RER et je vais dans mon ESAT. Travailler avec des autres trisomiques. Ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est la vie. Il y a 3 ans, en 2013, la directrice de mon usine est venue me chercher parce que je fais un peu de théâtre avec mes collègues. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Des gens qui tournent un film sur un trisomique et ils cherchent leur rôle principal. Je n'y croyais pas. Mais très vite, grâce à Lorena, j'ai rencontré Daniel et Sandrine, les réalisateurs de l'histoire de Jean. On a fait des essais, on a travaillé ensemble, et un jour, ils m'ont dit « C'est toi qui vas jouer le rôle principal de l'histoire de Jean. » C'est l'histoire d'un garçon qui vit à la campagne, il est trisomique, il fait beaucoup de bêtises, et ses parents le mettent dans une maison de retraite pour qu'ils y soient plus heureux. Mais Jean n'y est pas bien. Et il n'a qu'une envie. Se marier avec la boulangère et travailler à l'usine. Bonjour Marie. Bonjour Jean. Je te mets une baguette comme d'habitude. Oui. Je ne vais plus vous voir. Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais à la salamandre. À la salamandre? Daniel et Sandrine m'ont présenté les acteurs qui allaient jouer avec moi. Et tous, ils ont tout de suite accepté. Alors là, commence une des plus belles aventures de ma vie. On est partis tous ensemble, avec mes parents et toute l'équipe, pour tourner l'histoire de Jean 2013. C'est une aventure extraordinaire. Ça aurait pu se terminer là, mais le moyen-métrage était si beau que Daniel et Sandrine ont décidé en 2015 avec le parrainage de Claude Lelouch de retourner l'histoire de Jean, toujours avec moi, mais cette fois-ci en long métrage. Une nouvelle aventure, tellement belle, pendant 45 jours, à Paris, puis dans l'Aube, avec 35 comédiens tous bénévoles, plus de 300 figurants, une vraie maison de retraite, une vraie caserne de pompiers. On a fait un film magnifique. Je vous fais ce petit message parce que je voudrais bien que vous le regardiez et surtout que vous me disiez s'il vous a plu. Si vous aussi vous avez aimé. J'adore le cinéma. J'ai tellement envie d'en refaire. Dans une maison. C'est une belle maison, hein. Ça s'appelle la salamandre. Tu auras ta chambre, ta douche, tes toilettes, et puis des belles infirmières. Puis surtout, tu ne seras pas tout seul.